Le violon fait partie de la famille des cordes frottées. Les cordes doivent être frottées pour obtenir un son. C'est le plus petit des instruments de cette famille. C'est le plus petit de taille et le plus aigu. Vous pouvez faire des tas de choses grâce à vos doigts de la main gauche. Parce que quand il y a simplement quatre cordes, ça veut dire qu'il y a quatre sons. Sol, ré, la et mi. Mi étant la corde la plus aiguë. Mais en fait, chaque fois qu'on pose un doigt sur la corde, avant que tu l'aurais, on change le son. Voilà. Et vous pouvez avoir des tas de sons très très aigus. Par exemple, et faire des choses amusantes. Faire des choses en pizz aussi, c'est-à-dire en pinçant les cordes. On joue du violon dans toutes les musiques, puisqu'on en joue évidemment dans la musique dite classique, ça très très souvent. Depuis des compositeurs très anciens jusqu'à des compositeurs contemporains. Et puis on en joue, on en entend dans les orchestres beaucoup. Ça constitue un des instruments principaux de l'orchestre. Donc le violon, c'est un instrument extraordinaire qu'on utilise beaucoup, avec lequel on prend beaucoup de plaisir à jouer. C'est quelque chose qui est super, voilà.